Salut tout le monde, aujourd'hui notre thème par compréhension des écrits, c'est sport en France. Avant de commencer, parfois on attend, le sport c'est la vie, c'est la santé, le sport développe ton corps, ton cerveau, comment vous le comprenez? Pourquoi on dit que le sport c'est la paix et l'amitié? L'homme moderne doit-il être sportif? Aimez-vous le sport? Faites-vous du sport? Comment fait-on du sport dans la vie quotidienne? Maintenant, classez les sports en 5 catégories. Connaissez-vous les sports? À ce jeu, prennent part deux équipes à 11 joueurs. La balle est jouée à pied. La partie a deux périodes égales de 45 minutes. Ce jeu fut créé en 1873 par un Anglais. On joue avec une raquette et une balle. Mais ce jeu est né à Londres. Il se joue sur une table avec une raquette et des petits pales. Encore l'équipe pour ce jeu se compose de 5 joueurs sur le terrain. Ce jeu qui ressemble à un combat. Il a lieu sur un rond. Ce sport se joue sur une patinoire. À votre avis, mes étudiants, quels sports sont populaires en France? Et voici les données du même sondage, bien sûr, sur les sports pratiqués en France. Dans la vie sportive française, il y a une compétition annuelle qui s'appelle Tour de France. Le Tour de France. Maintenant, écrivez s'il vous plaît le lexique. Le lexique se compose en trois langues. Par notre manuel, on a arrêté dans le texte deuxième qui a donné beaucoup d'informations sur le Tour de France. Maintenant, lisez s'il vous plaît attentivement. Par ce texte, il y a le test. Maintenant, pendant 3 semaines que dure le Tour de France, les cyclistes parcourent kilomètres A, 200, B, 500, C, 300, D, 5000. Deuxième, laquelle des suggestions peut être utilisée pour décrire le comportement du public pendant la course? Choisissez s'il vous plaît le variant. Un autre thème est fini. Faites du sport. Prenez soin de vous.